d'une beauté sauvage. C'est d'abord ce qui m'a attiré dans l'Arctique canadien. Lors de mon premier séjour, j'y ai emmené toute ma famille. Nous avons quitté le confort de notre maison pendant 2 mois et demi pour découvrir les merveilles du Grand Nord. Au revoir. Oh, au revoir, Andy. À bientôt, j'espère. D'accord. Au revoir, Sydney. Prends bien soin de toi et un de ces jours. Au cours de cette expédition et des 2 suivantes, j'ai trouvé une source d'inspiration que je n'aurais jamais soupçonnée. J'ai eu le privilège de peindre des paysages parmi les plus sublimes qui puissent exister. J'ai connu le frisson et les défis de l'exploration de terres inconnues. Fait de magnifiques rencontres. Et parcouru 40 000 km afin de coucher l'Arctique sur toile. 10 ans ont passé et je prépare aujourd'hui une exposition itinérante dont le vernissage aura lieu à Washington. L'occasion de montrer à tous les paysages majestueux du Nord. Mais d'abord, je dois y retourner pour peindre certains endroits que je n'avais pas pu immortaliser. Comme l'île Banks, la baie d'Hudson, la baie de Frobisher ou le mythique passage du Nord-Ouest. Mais l'Arctique que je retrouve est en train de changer à toute vitesse. La fonte de la banquise permet d'accéder comme jamais auparavant aux richesses de la zone. Ces terres et leurs habitants ne sont pas protégés des conséquences que cela pourrait entraîner. Un simple pinceau sera-t-il capable de restituer les splendeurs du Grand Nord et de toucher l'âme de lointains spectateurs? Les prochains, c'est nous. Si on arrive à décoller, cette année, on va être les seules personnes à visiter le parc national Olavik sur l'île Banks. Il y a le personnel du parc sur place, mais on va être les 4 seuls privilégiés à pouvoir s'y rendre. Après 1 an de préparation, je vais passer 9 semaines dans l'Arctique. Je reprends conscience de l'immensité de la zone à mesure qu'on approche de l'île Banks. Olavik signifie « là où les gens voyagent ». Durant 15 jours, nous allons remonter la voie canotable la plus septentrionale du continent, le fleuve Thompson. Il coule en direction du nord sur 160 km et a rarement été peint. Pour ce voyage en canoë, je suis accompagné de mon frère Karl et de notre ami de longue date, Anthony. Au bout d'une heure, nous survolons Sax Harbor, la seule partie habitée de l'île Banks. Population 112 personnes. Deux heures plus tard, nous entrons dans les 12 000 km² du parc. Le fleuve Thompson apparaît alors distinctement. Un ruban de vie au milieu d'un vaste territoire plat. Avec tout ce qu'il nous faut pour 15 jours de voyage, nous nous installons près d'un vieux bâtiment technique baptisé la Cabane Verte. Désormais, impossible de faire demi-tour. Immergé dans ce paysage sublime où règne 24 heures de jour, une transformation familière commence à s'opérer en moi. Un lâcher-prise qui me conduit à vivre pleinement l'instant présent et me met à l'écoute du monde qui m'entoure.
je rêve de remonter ce fleuve à la rame depuis 9 ans. Et j'ai du mal à croire que je vais enfin le faire. Chaque coup de pagaie me libère, car il m'éloigne de la civilisation et me reconnecte avec cette terre. Nous sommes début juillet. L'été vient tout juste de s'installer. Pour l'occasion, la toundra s'est ornée de fleurs éphémères. Nous installons notre campement dans cette oasis arctique avant de nous apercevoir que nous n'y sommes pas seuls. Un bœuf musqué. Les trois quarts de la population mondiale de l'espèce vivent sur cette île. Mais depuis les années 1990, leur nombre est passé de 70 000 à 14 000, car le réchauffement de l'Arctique accélère la diffusion des parasites et des maladies. Il apporte aussi plus de pluie, qui forme des couches de glace rendant l'accès à la nourriture plus difficile. Parfaitement adaptés au froid extrême, ces superbes animaux vont devoir relever ce nouveau défi climatique. C'est notre deuxième jour sur l'eau. Je pourrais peindre plein de choses en chemin, mais si on s'arrête, on risque de ne plus être dans les temps. Donc on continue, histoire de parcourir la distance qu'on s'est fixée, et on arrivera sans doute aux alentours de minuit. Une petite falaise a attiré des faucons pèlerins. La paroi rocheuse leur offre un lieu sûr pour nicher. Petit, j'étais fasciné par les rapaces. D'ailleurs, l'un de mes premiers grands tableaux représentait une buse à queue rousse. J'adorais leur puissance et leur grâce. À 10 ans, comme je ne pouvais pas en avoir un chez moi, je me suis mis à les dessiner. De mon adolescence jusqu'à 25-30 ans, mon amour de la nature m'a poussé à peindre des animaux. Et puis, un matin, pour tenter d'apporter plus de vie à mes toiles, j'ai installé mon chevalet à l'extérieur pour peindre au grand air. Assis près d'un ruisseau, je me suis alors imprégné des sons, de la lumière et de l'atmosphère du lieu. Je n'ai pas vu d'animaux ce jour-là, mais ce n'était pas grave. J'étais immergé dans la magie de la nature. À partir de ce moment-là, j'ai constamment essayé de retrouver cette sensation. De l'est du Canada à l'ouest. De chez moi au fin fond du nord de l'Ontario. Chaque fois que mon pinceau touchait la toile, j'avais l'impression d'ouvrir une porte où s'engouffrait le paysage. Ce mélange de peinture et d'exploration m'a poussé à rechercher des lieux toujours plus sauvages et isolés, afin de nourrir mon corps et mon esprit. Ce n'était qu'une question de temps avant que je me retrouve ici, dans le Grand Nord. Aujourd'hui, changement de programme. Comme il y a trop de vent pour prendre les canoës, nous nous éloignons du fleuve pour visiter les environs. On arrive sur une crête. Et une crête, c'est généralement synonyme de belle vue. Cinquième jour de voyage. Je sors mon chevalet pour la première fois depuis notre arrivée. Thank you.
Quelle nuit! Voilà! C'est dans la boîte. Enfin, mon premier tableau de l'été. Les jours se succèdent et je m'interroge sur la notion de temps. Comment est-il perçu par les bœufs musqués et les autres animaux qui vivent ici? Eux qui évoluent dans cette région depuis des millénaires, sans autre contrainte quotidienne que celle du rythme de la nature. C'est comme remonter le temps. Les peuples du Pré-Dorset, les Inuits du cuivre ou même ceux de la précédente génération, ne possédaient pas notre matériel sophistiqué. Même si c'est plus facile aujourd'hui, les défis liés à l'exploration de ces terres me rendent admiratif des habitants de la région. Nous arrivons à notre dernier campement près du fleuve Thompson. Nous délaissons nos canoës pour passer nos deux derniers jours sur place à explorer les alentours à pied. Quel calme! Il est 2h du matin et tout le monde dort. Il faut parfois savoir poser les pinceaux et laisser l'endroit vous envahir. Comment mes tableaux pourraient-ils avoir du sens si je n'ai pas moi-même ressenti les lieux d'abord? Un loup arctique se dirige droit vers notre campement. Il a traversé le fleuve. Nous partons vers les collines. Ce sera ma dernière occasion de peindre l'île Banks. J'espère un panorama grandiose à l'embouchure du fleuve, là où il termine sa course dans la mer. On marche depuis 4 heures et on approche de ce qu'on pense être le point culminant du parc national Olavik. On voit jusqu'à l'océan. Comme les nuages s'amoncellent à l'horizon, je sors ma bâche de protection. Ça devrait tenir quelque temps. Il pleut pas encore. Je vais laisser tomber la bâche et me mettre à peindre. Il y a des taches roses dans le ciel qui se reflètent dans l'eau. Ça y est, il pleut. Je vais essayer de changer d'angle. Je craque. Je sors. L'artillerie lourde contre les moustiques.
C'est incroyable. Le vent et la pluie ont complètement disparu. On passe d'un extrême à l'autre. C'est aussi pour ça que je reviens sans cesse ici. C'est vraiment exaltant de peindre dans la nature, au cœur de ces contrées sauvages. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir et retourner au campement. Mais quelle soirée! Après 15 jours passés sur l'île Banks, il est temps de nous séparer. Carl et Anthony vont rentrer chez eux. Je n'aurais pas pu rêver meilleur compagnon de voyage. Je quitte ce lieu particulièrement inspirant après y avoir peint des paysages rarement vus. Durant les 3 jours suivants, je traverse le nord du Canada pour me rendre à Iqaluit, la capitale du Nunavut, au sud-est de l'île de Baffin. Peindre l'est de l'Arctique est une façon de donner une dimension supplémentaire à mon exposition. Iqaluit, dont le nom signifie « beaucoup de poissons », est habité par les Inuits depuis des millénaires. Avec près de 8000 habitants aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour eux de perpétuer la tradition locale qui consiste à vivre de la chasse et de la pêche. Je suis à la sortie d'Iqaluit. Pour la première fois depuis 6 ans, des ours polaires sont venus en ville et certains sont encore dans les parages. Il fait plus frais près de l'océan. Comme ça, je vais pouvoir rester une demi-heure de plus à peindre. Pour mon dernier jour sur place, une mer d'huile va me permettre d'aller voir au-delà de la ville. Me voilà de retour en pleine nature. De la glace flottante à perte de vue. C'est assez étonnant de se dire qu'il y a encore quelques heures, toute cette glace faisait partie d'un iceberg. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'un peu différent de ce que je pensais peindre. Parfois, on se précipite trop et on passe à côté d'endroits comme celui-ci. Je n'aurai séjourné que peu de temps ici, mais ça aura été une véritable révélation. Je repars avec 3 tableaux supplémentaires et un petit avant-goût d'Iqaluit. Notre étape suivante, le hameau de Naoyat. De là, nous irons en bateau jusqu'au parc national Ukusiksalik, qui abrite des vestiges archéologiques, une faune abondante et une curiosité, une chute d'eau réversible. Mais depuis les airs, je vois surtout des glaces flottantes. Jusqu'à une période récente, Naoyat s'appelait Ripple's Bay, littéralement la baie du rejet. L'endroit abrite aujourd'hui la seule communauté du Nunavut à vivre sur le cercle polaire. La plupart des 1000 habitants sont des descendants directs du peuple de Thulé, qui vivait là il y a plus de 400 ans. Preuve de l'extrême résilience de ces populations.
je passe ma première soirée à explorer mon nouvel environnement. Au loin, sur les eaux menant à Ukusiksalik, on voit une épaisse couche blanche, un mur de glace. Et je me demande si cela ne va pas nous empêcher d'atteindre le parc. Je dois faire le voyage jusqu'à Ukusiksalik avec Parks Canada et ce matin, nous faisons un point sur l'état de la glace. Je rencontre David, un ancien de la communauté qui a passé sa vie à naviguer sur ces eaux. Il est né ici et a tout vu. Le gestionnaire du parc, Monty Yonk, a demandé à David d'être le capitaine de notre expédition. Nous serons aussi accompagnés par Théoran, un jeune de la région, et Serge. Il dit que quand il y a de la glace ici, il y en a jusqu'ici et jusque dans cette zone. Selon le service canadien des glaces, c'est inhabituel d'avoir de la banquise dans cette zone. Il a été coincé ici. Est-ce que cette glace peut tenir tout l'été ? Oui, elle tient parfois jusqu'en septembre. Les dernières nouvelles du service canadien des glaces ne sont pas très encourageantes. Comme les anciens explorateurs, on ne peut se rendre que là où la glace nous laisse aller. C'est logique. L'endroit s'appelle le Détroit gelé. Le lendemain matin, changement de programme pour profiter du ciel limpide et des eaux calmes. Redresse ! Puisque le parc est inaccessible, nous allons aller voir la maison de l'explorateur écossais John Ray, qui date de 1846. Je serai peut-être le premier à la peindre. Né en 1813 dans les îles Orcades en Écosse, John Ray était chirurgien, négociant en fourrure et explorateur. C'est lui qui a découvert le dernier tronçon du passage du Nord-Ouest. Il a parcouru 1500 km en un peu plus d'un mois avec de lourds traîneaux, en affrontant de terribles blizzards. À la différence des autres aventuriers de son époque, il a appris des Inuits. Il a adopté leur façon de faire pour devenir l'un des plus grands explorateurs de l'Arctique. Nous débarquons près de l'embouchure de la rivière du pôle Nord. On va couper tout droit. Tu veux essayer ? C'est mieux pour les genoux. Il s'arrête pour me montrer comment les Inuits utilisent certaines ressources locales. On prend ça pour allumer le feu. Ça sent bon. On mettait la théière là-dessus. Ça chauffe bien. Pas de risque de déclencher un feu de forêt ici. Avant, il y avait des incendies, même s'il n'y a pas d'arbres. Je me sens un peu comme John Ray lorsqu'il a dû arriver ici, il y a plus de 170 ans. C'est bon ? Ouais. Ça aussi, ça se mange. Les baleiniers savaient qu'on pouvait le manger, ça ? Non, je suis sûr que non. C'est très doux. Oui. Théoran a ramassé ce champignon et David en a mis sur une coupure qu'il a à la main. Le champignon pourri, ça doit favoriser la cicatrisation. Ça se mange ? Non. Mais tu peux essayer si tu veux. Nous parvenons au sommet d'une colline et là, niché au cœur d'une ravine, se trouvent les ruines de la maison en pierre de John Ray. Nous sommes arrivés à Fort Hope. L'explorateur et ses compagnons ont été les premiers Européens à passer un hiver complet sur place. Il a vite compris que si la pierre était un bon matériau de construction en Écosse, elle n'était pas adaptée ici. Il a vécu dans cette maison le premier hiver, mais le froid l'a ensuite poussé à faire comme les Inuits et à dormir dans un igloo lors des hivers suivants. Voilà le seuil. Il devait y avoir des pots de caribou et trois fenêtres. C'est une construction intéressante.
La mousse a servi de joint. Difficile d'imaginer ce que devait être la vie ici, en 1850. En plein hiver, dans le noir, par moins 40, moins 50 degrés. J'essaie de trouver un point de vue où on voit les murs et le paysage. C'est une chose d'être ici en visiteur et d'essayer de comprendre comment ça se passe. Mais c'en est une autre d'être comme David, qui a passé toute sa vie dans la région. Tout est une seconde nature pour lui. Je sais que je n'atteindrai jamais son degré de communion avec ce lieu. Mais j'en ai au moins un petit avant-goût. Si ça ne te dérange pas, je vais rester là. Puisque nous avons dû définitivement renoncer à aller à Ukusiksalik, nous reprenons le bateau pour une nouvelle journée d'exploration avant de quitter Naoyat. Nous nous rendons dans un autre lieu chargé d'histoire, Harbor Islands. Entre 1860 et 1915, cette région a attiré des navires américains et écossais qui chassaient la baleine boréale. Certains passaient l'hiver ici et étaient rejoints par des Inuits qui construisaient des villages d'igloos sur la banquise. C'est beau, hein? Ils sont magnifiques. Une fois à terre, je scrute le sol. Une vieille vertèbre de baleine boréale, de l'époque des baleiniers. C'est cool. Quelques mètres plus loin, je me fige. Au cours de ce voyage, j'ai vu pas mal de crânes d'animaux. Mais c'est la première fois que je tombe sur un crâne humain. C'est à la fois lugubre et exceptionnel. Au sommet de la colline, nous trouvons deux tombes très anciennes. Celle de deux baleiniers. Le crâne appartient à l'un d'eux. Il a sans doute été déplacé par un ours polaire il y a plusieurs décennies. Il y a une vieille inscription. Exposé à plus d'une centaine d'hivers arctiques, ce cercueil a finalement bien résisté. Mais le poids des pierres et le temps ont fini par créer des ouvertures. Bien qu'un peu sinistre, ce lieu possède une beauté qui lui est propre. Je respire l'air arctique à plein poumon et laisse le calme s'emparer de moi. Ces sépultures me rappellent qu'il faut profiter de chaque instant. Mon séjour à Naoyat touche à sa fin, sans que j'aie pu me rendre dans le parc Ukusiksalik. Mais j'ai vécu d'autres expériences. Et peint des tableaux totalement inattendus. Après 5 semaines et demie de voyage, je me dirige toujours plus vers le nord. Je reprends l'avion pour découvrir les magnifiques paysages de l'île de Baffin.
je me rends à Arctic Bay. Ce hameau entouré de montagnes abrite 850 habitants. Et dans les environs, il y a un site que je tiens absolument à voir. Les falaises rouges de 180 mètres qui surplombent l'océan. Bien d'autres panoramas envoûtants m'attendent. Et comme je ne passe que 2 jours sur place, je n'ai pas une minute à perdre. Comme je suis encore plus au nord, le soleil ne se couchera pas du tout. Il va juste décliner légèrement. Je commence à perdre un peu la notion du temps. J'ai trouvé un point de vue intéressant, avec une belle lumière rasante sur les montagnes au loin. Mon cœur bat plus fort tandis que je me dépêche de transcrire ce que je ressens. L'impression d'être enveloppé dans la splendeur intemporelle de la lumière arctique. Un petit survol du détroit de Lancaster m'amène à Resolute Bay. De là, je partirai vers l'est en bateau, à la rencontre de 2 personnages fascinants de l'histoire canadienne. L'artiste A.Y. Jackson, l'un des membres fondateurs du Groupe des Sept en 1920, qui, avec ses représentations de la nature, a contribué à forger une identité picturale canadienne unique. Et l'explorateur John Franklin, parti à la découverte du passage du Nord-Ouest en 1845, et qui n'est jamais revenu. Passé et présent se mélangent dans la deuxième bourgade la plus au nord du Canada. Je m'apprête à faire la connaissance de Randy Nungat et de son fils Sheldon. Nous partons en mer et la chance est avec nous. Les eaux sont calmes. Juste au bout, c'est Cape Ossam. A.Y. Jackson est venu ici avec Frédéric Benting, le découvreur de l'insuline, à bord du Béotique, un navire qui ravitaillait les communautés isolées. Jackson a fait quelques esquisses de la zone. Être ici en tant que peintre et me connecter à tout un pan de l'histoire artistique canadienne, c'est assez fabuleux. Au moment où nous arrivons en vue de Cape Ossam, je montre à Randy une copie de l'esquisse faite par Jackson en 1930. Si le premier sommet correspond à ce que je vois, il n'y a pas de second pic. Mais aucun doute, c'est bien le même endroit. Un petit iceberg s'intègre harmonieusement dans le tableau. Tandis que nous en faisons le tour, le soleil sort brièvement. C'est magnifique! Son dessin est un peu plus orienté par là. Le pic est bien visible avec un autre sommet derrière. Il y a aussi un petit iceberg. J'ai de la chance, j'en ai un plus gros pour mon esquisse. Randy, tu peux reculer un peu, s'il te plaît? Oui, comme ça. Merci, c'est parfait. Quel plaisir d'être en lien avec la nature et par la même occasion avec A.Y. Jackson. Je crois que cette esquisse va se transformer en tableau. De retour à l'atelier. Il est minuit et nous accostons sur l'île Devon. Le gris du ciel cède la place à des teintes pastel. Je vais traquer la lumière jusqu'à 3 heures du matin. Puis nous allons visiter le cimetière de Beachy Island. Nous traversons Terror Bay, baptisé ainsi en hommage aux 2 navires de l'expédition Franklin, le Terror et l'Erebus. Ils ont passé l'hiver 1845 dans les glaces, avec 3 ans de provisions à bord.
on trouve encore ici les tombes de quelques membres de sa troisième et dernière expédition lorsqu'il est parti à la recherche du passage du Nord-Ouest. L'été suivant, lorsque les glaces se sont disloquées, ils ont poursuivi leur route et on ne les a plus jamais revus. 129 hommes, dont Franklin, ont péri. Du coup, tu vas rester à bord pendant que je peins ? Sheldon va nous accompagner pour surveiller les ours polaires, tandis que Randy retournera jeter l'ancre dans la baie. Les tombes que je découvre sont emblématiques de l'histoire de l'exploration arctique. Un poignant vestige du passé. Le soleil couchant transforme le paysage. Et malgré ma fascination pour l'histoire, je suis happé par le présent et par la beauté de ce qui m'entoure. Après avoir mis le cap encore plus à l'est, nous arrivons à Radstock Bay devant le monolithe de Caswell Tower. C'est là que je vais dire au revoir à Randy et Sheldon. Devon est la plus grande île inhabitée de la planète. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non loin de notre lieu de mouillage, on trouve les restes d'une communauté de Thulé, vieille de plus de 1000 ans. Pile à l'heure, mon prochain moyen de transport apparaît à l'horizon. Je vais voyager en bateau durant les 17 derniers jours de mon expédition estivale. Comme sur le fleuve Thompson deux mois auparavant, les jours s'enchaînent sans obscurité, chacun apportant des paysages plus extraordinaires les uns que les autres. Le temps semble ne plus avoir de prise sur moi, et je me laisse emporter. Je suis à Dundas Harbor. C'est au sud-est de l'île Devon. Il y a des icebergs que j'ai bien envie d'aller voir. Sur l'autre versant, on trouve des abris de la police montée canadienne.
Je respire l'air pur. Partout, je vois des merveilles. Je me sens vivant et subjugué. Et je ne peux m'empêcher de me demander quel sort allons-nous réserver à cet univers ? Mise au point. Parfait. Voilà. On y est. C'est ma dernière matinée dans l'Arctique. Et j'ai un peu le sentiment que la boucle est bouclée. D'une certaine manière. Et j'espère que la vingtaine de tableaux que j'ai peints au cours de ce séjour formeront la pièce finale du puzzle de cette collection que je constitue depuis 10 ans. Et que dans un an ou deux, lorsque tout sera prêt pour l'exposition itinérante, cette nature parlera aux gens, qu'ils ressentiront un peu de la passion, du respect et de l'admiration que j'éprouve lorsque je suis ici. La première fois que j'ai mis les pieds en Arctique, il y a une décennie, je n'aurais jamais imaginé que cette aventure me conduirait jusqu'ici. Ces paysages intemporels me semblent bien loin. Et pourtant, ils ne le sont pas tant que ça. Les décisions prises ici et dans tous les pays du monde ont un impact sur ce qui se passe dans le Grand Nord. Après 4 expéditions, 60 000 kilomètres, des millions de coups de pinceau et des années de passion, je m'interroge. Ces tableaux seront-ils en mesure de rapprocher les gens des fragiles paysages qu'ils représentent? J'ai l'immense plaisir d'accueillir Cory Trépanier, un artiste, un documentariste, un explorateur intrépide et un ami de l'ambassade qui a fait plusieurs séjours dans l'Arctique canadien afin de constituer une collection unique. Si mes toiles parviennent à transcender ce qu'elles représentent pour permettre à ceux qui les regardent d'être touchés par cette nature, ce sera la plus belle des récompenses pour moi. Merci. L'exposition ouvre. Elle s'articule autour d'une toile en particulier, la plus grande que j'ai peinte à ce jour. Il y a 7 ans, j'ai été bouleversé par la visite du fjord Coronation sur l'île de Baffin.
c'était à couper le souffle. Cette rencontre m'a inspiré une toile de 4,50 m intitulée « Le Grand Glacier », qui tente de restituer la splendeur de ce site. Tandis que l'exposition passe de ville en ville, les réactions vont au-delà de toutes mes espérances. Je sens une passion pour cette terre que si peu ont vue. J'ai l'impression d'être là-bas. J'espère que mes coups de pinceau laisseront une trace dans le cœur de tous ces gens. Ça peut nous aider à comprendre ce qui est en jeu. Ce n'est pas que de l'art. C'est un témoignage de ce que nous avons et qui risque de disparaître. Je suis parti pour le Grand Nord il y a plus de 10 ans, à la recherche de la beauté. Je l'ai trouvée sous de nombreuses formes, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Dans la faune majestueuse, et chez les hommes qui m'ont accompagné et qui vivent sur ces terres. Tu vas adorer. On aura du poisson au dîner. Je vais me régaler. Il fait noir, mais on continue à jouer. Je sais que c'est Dieu qui a créé les ours blancs parce qu'ils me terrifient. On n'abandonne jamais. C'est vrai. Ça devrait être notre slogan. J'ai remonté le temps. Découvert la magnificence du Grand Nord en famille. Une famille dont les membres ont bien grandi. Ces voyages m'ont ouvert les yeux sur un monde qui est en train de se transformer à une vitesse alarmante, irrémédiablement altéré par notre quête de progrès. Lorsque mes filles auront mon âge, ces toiles seront-elles une représentation d'un Arctique qui n'est plus ? Il faut provoquer une prise de conscience, chez nos gouvernants, chez nous tous. Pour réaliser que les merveilles du Grand Nord sont fragiles, afin de les protéger et de leur donner un avenir. So now come sit down, will you talk with me now? Let me see through your eyes where there is so much life. We are biding our time for these myths to unwind, for these changes we will confront. So please beware with every place that you had, and look to your soul for these things that you know. For the trees that we see cannot forever breathe with the changes they will confront. You know, some people, they just won't understand, or just won't understand. Thank you for your message, but I don't understand. No, I just won't understand. Thank you.
loud of the things you are proud of. And if you love this coast, then keep it clean as it holds, 'cause the way that it shines.